On était dans un joyeux merdier. Mais avec l'armée, il y a toujours de gros imprévus. Même si officiellement le cerf d'Aristan était neutre, les gars des renseignements avaient des doutes et voulaient en avoir le cœur net. Nous quatre, on avait beau avoir déjà déserté, en un sens, on faisait l'affaire. Alors, au lieu de nous coffrer, ils ont fait une offre qu'on pouvait pas refuser. Si j'ai bien compris, ils sont furieux parce qu'on est allé au cerf d'Aristan et maintenant, ils veulent qu'on y retourne. On doit trouver Zavomir Serdar. Qui c'est qui a vomi? Vous êtes malade? Zavomir Serdar, petit père du peuple. C'est le dictateur du coin et un salaud de première. Officiellement, il est neutre, mais ça fait un bail qu'il joue sur les deux tableaux. La chance l'a peut-être fui. Enfin bon, on est là pour le convaincre de nous suivre en la jouant incognito. Donc on y retourne? Et personne va nous engueuler? Officiellement, l'armée n'est pas impliquée. Si on se fait prendre, on est déserteur. Allez, faut trouver ce point d'observation. Bravo, One Charlie. Ici Mike, One Juliette. Tiens, vous ici, à vous. Ouais, on a fait un petit détour. À vous. Une de vos initiatives, à vous. Ouais, mais rien de très concluant. À vous. Si vous menez à bien cette mission, à vous les joies de la pêche. À vous. À ce qu'il paraît. Terminé. C'est un golf, ça? Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Les dictateurs, c'est simple. Ça construit des trucs inutiles pendant que le peuple crève la dalle. Hé hey, voilà notre hélico! Ils volent pas un peu trop près de la base, là? Ah, c'est pas un problème. Officiellement, ils sont en mission d'exfiltration. Les gars du coin leur feront rien. Si vous le dites. Mais je le sens pas trop, sur ce coup. Oh, merde! Fais chier, putain! Mike One Juliette, ici Bravo One Charlie. On dirait que ces gus sont plus aussi neutres que ça, hein. À vous. Bravo One Charlie, ici Mike One Juliette. On est au courant. Continuez et trouvez Serdar. À vous. D'accord, mais comment on le sort de là sans hélico? À vous. J'y venais. Il y a 3 lance-missiles sol-air ennemi. Mettez-les hors d'usage, vous aurez votre hélico. Eh oui, enfin. Reçu. Terminé. Ok, voilà le premier. Repérez une voiture blindée, les gars! Merde! Un lance-roquette! Putain, j'étais pas loin!
Soldats à terre. Merde. Je suis encore vivant. Ouvrez-moi. Lance-roquette, à terre. Go! Bien visé! Je la sens pas, cette mission. Ouais, mais tu vas rire. C'est toujours mieux que la tôle. Pareil que la bouffe y est pas si dégueu. Mais on joue moins de la gâchette. Ah, ça m'arrange pas, j'adore tirer. Dans les parages. Lance-roquette, pas sur nous. Il est touché. Touché. Plus. Attends. À terre.
Ouais, continue. Marlo, reste pas planté là! Vous endormez pas, les gars, ça grouille de partout. Je me demande quel handicap ils ont. Je parie que c'est des sacrés golfeurs. Ce serait logique, non? Je crois que c'est lui qui va avoir. Impec, Preston. Restez à couvert.
Voilà, un de moins. Merde, voiture blindée repérée. Choc, brillante intradit. Vous arrêtez pas! Bon travail! Je t'avais dit que la vitesse tuait! John Lennon, j'ai vu des Russes. Roquette! Tu m'en laisseras un ou deux? Tu m'aurais dû baisser la tête, connard! J'ai le pied de piloter un tank sur un golf. Tu mets ça dans la pub de l'armée, j'aime autant te dire que ça va se bousculer au portillon des troufions. Mille fois plus fandard qu'un saut en parachute. Moi, je prends un tank coulé sur un golf, direct je m'engage. Lance-roquette! On est pas chez nous! Allez! Hey, ici! Ouvrez-les tous! Ouvrez-moi! Il y a eu droit! On assure nos arrières! Il y a des Russes pas loin d'ici. Voisins, les armes secrètes de nos copains, les Russes. Ouais, le top de la technologie, Gorb. Merde. Cool. On dirait des petites voitures de golf, Squatter. Croyez qu'on avait tué tout le monde. Ah!
Voilà le deuxième lance-missile. Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Lance-roquette ! Restons pas là ! Putain, c'était pas loin ! Et paf ! Merde ! Lance-roquette ! Там кто-то есть! L'armée russe envoie les renforts! Bateau ennemi en vue! Bien que les Russes arrivent. Putain de lance-roquette ! Rien de plus ! Lance-roquette, à terre ! Aïe, mes oreilles !
Nautilus qui arrive. Pas trop mal, dis donc. Ça en fait combien, là? C'est le dernier. Pas mal pour un gars de la ville. Bon, terminé. Regroupez-vous. Ruskov dans les parages. Putain, c'était pas loin. Allez, on les tient. J'en laisse un ou deux. Bordel, une grenade! L'entre-quête, droit sur nous! Mike One Juliette, ici Bravo One Charlie, à vous. Bravo One Charlie, ici Mike One Juliette, à vous. Bon, ça y est, on a neutralisé les trois lance-missiles. Mais question discrétion, c'est pas l'extase. À vous. Vous avez fait du bon travail, sergent. On ne m'a pas autorisé à vous fournir un hélicoptère pour le moment. Mais je vous réserve une surprise qui va vous faciliter un peu la vie. Rendez-vous sur la zone de largage. À vous. Bien reçu. On part sur la zone de largage. Terminé. Je crois que les Russes sont pas loin. Alors, on rigole moins, hein? Lance-roquette! C'est ça que j'aime pas dans l'armée!
Bien joué! La vache, j'assure! Grosse lampe torche ? Elle a fait larguer une grosse lampe torche ? Pourquoi faire ? C'est un viseur laser, tête de nœud. On s'en sert pour guider les frappes aériennes. Attention, cher ennemi ! Marlowe, sers-toi du viseur laser, qu'on voit un peu ce qu'on a comme appui aérien. Cinq sur cinq, bombe larguée ! Bon courage, les gars ! Bordel de vacherie! J'ai l'air con d'avoir pris ça pour une grosse lampe torche! Ok les gars, regroupez-vous! Bravo One Charlie, ici Mike One Juliette. Vous avez donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Très forte activité aux environs du palais. À vous! On n'est pas équipé pour une grosse baston des familles, à vous! On signale un poste de ravitaillement près de votre position. Je vous transmets les coordonnées. Allez-y et faites le plein. À vous. Bien reçu, terminé. Vous avez entendu ? C'est l'heure du shopping.
l'autre. Ok, on y est. Regardez si vous trouvez des trucs intéressants. On file au palais dès que possible. Sergent, je peux piloter un de ces trucs? Je ferai gaffe, promis. En plus, je suis assuré. J'ai besoin de toi au canon, à garde. Marlow, c'est toi qui conduis. Tu te sens capable? Voiture blindée! Putain de lance-roquette! Et hop! Fini les embouteillages!
C'était pas loin. Les gars, un buggy! Tu la veux ta médaille? C'est ça que j'aime pas dans l'armée! Bien joué, soldat! Envoie les renforts. Done.
personne, tu m'entends? J'ai bien cru que c'était la fin. Go, go, go! Putain, c'était pas loin! Ma tête. Bien que les Russes arrivent. Oh les vaches, bon bas. Ça marche, rien de tel, les gars. Thank you.
Dégagez du pont, vite! Go, go, go! Ils ont dû piéger le pont. Classique, mais efficace. On va devoir traverser à pied. Ouh, c'est vachement haut. Une chance que j'ai pas le vertige. Sinon, ça aurait vraiment posé problème. Regarde pas en bas, regarde pas en bas, regarde pas en bas. Thank you.
sniper. Bien joué, soldat. Je crois que c'est le président. Qu'est-ce qu'il dit ? Je suis pas sûr, mais je crois qu'il demande de l'aide. Quel genre ? J'en sais rien. Apparemment, il s'est enfermé dans la chambre forte et il peut plus sortir. On s'en occupe. Allons-y, dépêchez-vous. Oh ! Oh, pas dégueu, le palais ! On dirait... Versailles ? Non. Buckingham Palace ? Non. Disneyland ? Comment déjà ? Xanadu. Bordel, Marlowe, tu nous ralentis. Écoutez, il y a encore des ennemis. Merde, c'est plein de mercenaires. C'était sûrement un coup d'état, alors. Ça peut-être bien. Ou alors ils ont viré le président pour prendre sa place. On n'en fait pas deux comme toi, garde. Heureusement, d'ailleurs. Merde. On regarde bien sur les côtés. Oh, il est touché. Soldat touché, prêt à l'aider. Mettez-vous à couvert. Et lâchez pas. Infanterie ennemie, recouvre les gars. Allez, faut qu'ils en bouffent. Chut. C'est l'infanterie ennemie, non ? Bravo, descend ce fumier qui nous mitraille. Oh, à terre, tout le monde. Soldats.
soldats touchés. Ah, le con. Tuez-les tous. On tire de nous. À terre. Allez, je m'en sors. Allez, ça, Anna. On assure nos arrières. Touchez-vous. Crève, espèce d'enfoiré. Principal, à garde, tu prends cette porte. Bien, chef. Occupez-les. Revenons. Allez, allez. Vite, on se planque. J'y vais. Bordel, faites venir un médecin tout de suite. Tirez. Les gars.
Couvrez-vous! Abritez-vous! Je me couvre, les gars! J'entends des soldats. Il y a des ennemis qui arrivent. J'entends des ennemis, les gars. Preston, je t'adore. On se regroupe. C'est ouvert! Vrachi modia, mieux! Oh, did you murga chupuatie? Bridge, bin piliste piggy! Vinish mugnard, watch mugnard! Il trouve qu'on n'est pas gentil. Il parle d'un. D'un ennemi, je crois, et il veut pas venir. Ah, commence à me gonfler! Ce que tu. Vas-y, tu lui traduis. Ce que toi, tu veux. On n'en a rien à secouer. D'accord. Alors, Excellence, Monsieur le Président... On va l'essayer. Excellensky, Monsieur le Président Skov... Non, Hagard, tu causes pas le serdarien, alors ferme-la. Je n'ai pas besoin de votre traduction de pacotille. Mon anglais est d'une grande immaculation. Bon, dans ce cas, tu vas vite piger ce que je vais te dire. On est venu te chercher. Te chercher? Qui? Vous? Oui, nous. Quatre paires de bras cassés. Quatre paires de bras cassés. La ferme, garde. Quatre paires de bras cassés. Ça, une invasion, c'est la meilleure. Mike One Juliette, ici Bravo One Charlie. Nous avons le colis. Je répète, nous avons le colis. Demandons exfiltration immédiate. À vous. Bravo One Charlie. Ici Mike One Juliette. Laissez le colis. Je répète, laissez le colis. Et ça ne va pas vous plaire, sergent. Mais l'exfiltration est refusée. À vous. Refusée? Il faut faire quoi pour que l'hélico se pointe? À vous. Je suis désolé, les gars, mais y a rien à faire. Les huiles veulent rien savoir. Faut vous débrouiller. À vous. Comment ça, il faut qu'on se débrouille? Et comment on se casse? À vous. Faites comme vous pouvez. J'y suis pour rien, les gars. J'ai les mains liées. On me demande de vous laisser tomber. Désolé. Terminé. Ah, c'est comme ça. Bon. Ils nous abandonnent, comme des chiens. Eh merde! On va jamais s'en sortir, bordel! J'ai peut-être un moyen pour nous enfuir. Comment ça, nous? Je crains que le petit père du peuple sédaristanais n'ait plus d'autre choix que l'exil. J'ai fait grosse bêtise en demandant les services de ces mercenaires. Une petite minute. C'est le légionnaire qui vous retient ici? Oui, comme je n'ai pas pu lui donner l'or qu'il demandait, il a fait main basse sur mon pays. Mais je gagnerai. Le peuple du Sédaristan se soulèvera et réclamera le retour de son bien-aimé petit père. Gamour. Quand il s'énerve, on dirait Hulk avec une casquette. Et puis, il peut nous être utile. Ouais, comme des Sankagin Kujat. Bon, toi, tu la boucles et tu nous dis comment on se barre d'ici. Doucement, c'est un moyen de transport de luxe pour VIP. Ça ne convient pas des sales bouses comme vous. Non mais t'as vu la déco de ce truc? Attends, c'est vraiment une boule à facettes que je vois là?
Bon, j'admets que la baignoire, je suis fan. Allez, on va voir comment ça vole, ce truc. Eh, Pep, pousse-toi de là. Eh, mais... Preston, tu décolles, oui? Preston, à toi de jouer. Je vais faire de mon mieux. Et nous voilà donc, entassés dans un hélico russe ultra kitsch, avec un mégalo absolu et une pile de CD à gerber. Nos chefs nous avaient lâchés. Et on servait de cible d'entraînement à la plus terrible armée du monde. C'était pas la première fois que je pilotais un hélico. Mais là, la situation était un peu spéciale.